Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux film Ready Player One, mais plus particulièrement de la bande son, en fait, de la bande son surtout du générique, qui est donc ça. Qui est donc Jump de Van Halen. Et Van Halen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... Voilà, ça vient de ce groupe, en fait, Van Halen, que j'ai eu là en vinyle, hein, d'origine, hein, que j'ai acheté à l'époque quand c'est sorti, car Van Halen, c'est un groupe de hard qu'on appelait à l'époque, on appelait ça les groupes de hard, c'est comme Iron Maiden, AC/DC, ça faisait partie des groupes de hard, et donc, moi, c'est ce que j'écoutais quand j'avais 17 ans, c'était ça. Donc si nous sommes en 2018, vous avez 17 ans, ben vous écoutez exactement, si vous aimez cette musique, vous aimez exactement la même musique que j'écoutais moi à l'époque, il y a 17 ans, donc quand ce groupe est sorti, Van Halen, que j'ai acheté en vinyle à l'époque. C'est un vinyle de l'époque en fait. Et donc faut savoir que c'est vraiment un groupe qui a, avec AC/DC et Iron Maiden et Metallica, c'est vraiment des groupes qu'on fait... Bon, ils ont pas fait le... Ils ont popularisé le hard rock, en fait. Parce que, en fait, ça reste du hard rock. Pour l'époque, c'est du hard rock, et ça reste du hard rock. Hein. Même si, là, Van Halen, c'est un hard rock un peu blues, un peu, vous voyez, plus léger, on va dire. Que AC/DC et Metallica, c'était vraiment du hard plus, on va dire, plus punchy. Là, Van Halen, c'est du hard rock plus... plus fun, plus, surtout à cause du chanteur qui est complètement psychédélique. Donc voilà, c'est vraiment la musique que j'écoutais à l'époque. Et donc pour l'occasion, je vais vous faire quelques extraits de cet album en fait. Je vais vous mettre quelques extraits de cet album. Bon, d'abord, je vais vous donner quelques infos sur ce groupe. Donc c'est un groupe qui est de hard rock qui a été créé en 1971. Donc c'est il y a longtemps, hein, 1971, vous voyez, hein, par deux frères, les frères Van Halen, c'est pour ça que le groupe s'appelle Van Halen, c'est deux frères, un guitariste et un batteur, oui c'est ça, et après, eh ben, en fait, il y a le bassiste qui est venu, et puis le fameux chanteur David Lee Roth, moi je dis Lee Roth, c'est TH, là. Non, c'est Lee Roth, je crois que c'est Lee Roth, ou Lee Roth. Comme il y a un T, moi je dis Lirot, David Lirot, hein. Bon voilà, dès que c'est le décor sur nom. Donc lui il est vraiment génial. Après il a fait une période solo, après il a quitté Van Halen et puis il a fait sa période solo où il était tout seul avec son propre groupe, où il faisait des trucs vraiment sympas. Donc je vais vous faire écouter quelques extraits de cet album. Vous allez voir, il n'y a pas que Jump. Jump est vraiment génial, mais il y a d'autres morceaux sur cet album qui sont vraiment excellents. Donc, je me dis, au cas où, si vous trouvez que la bande-son est géniale, voilà, je vais vous faire écouter un peu l'origine de l'origine de tout ça. Donc, il faut savoir que l'album s'appelle 1984. Voilà, pour ceux qui se demandent ben, comment s'appelle cet album, si vous le cherchez sur Steam ou vous voulez l'acheter en CD, donc vous cherchez Van Halen et l'album 1984. Donc, et je vais vous faire écouter le début de l'album. Vous allez voir, c'est un peu bizarre, mais restez jusqu'au bout. Hein. Le début commence comme ça, en fait. Thank you.
Donc là, c'est le morceau que vous connaissez tous. Vous voyez, en fait, le truc bizarre, c'est le premier morceau. C'est juste un truc qui dure, je sais pas, même pas une minute. Hein. Et après, le deuxième morceau, c'est Jump. Et je vais vous faire écouter le troisième morceau, parce que Jump, maintenant, vous le connaissez. Hein. Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait du troisième morceau, hein, donc, qui s'appelle Panama. Le début est... Accrochez-vous. C'est trop génial. Maintenant, je vais vous faire écouter le quatrième morceau qui est juste après Panama, qui s'appelle Top Jimmy. Voilà, bon, c'était voilà, pour vous faire connaître cet album trop excellent, trop génial que j'écoutais quand j'avais 17 ans. Pour le plaisir des yeux et pour le plaisir des oreilles, je vais vous donner que pour on va finir avec Jump et ce montage trop génial du film et de la musique. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale information sur ma jeunesse. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!